Bonjour mes petits camarades, nous sommes le mercredi 4 décembre 2019 et voilà, je me suis garé à Montermine et puis je passe à côté de l'abbaye de la Val-Dieu et je vais monter sur les hauteurs, on va aller voir là-bas Véroc-la-Tour, c'est une promenade que j'aime bien hein. Et puis on passera la route là-haut, il fait beau, il fait moins 1 degré là quand je suis arrivé au thermomètre de ma voiture, mais après la marche, je vais avoir chaud. Allez, à tout à l'heure. Il y a toute une promenade le long de l'Asmois qui est ici en contrebas. Hein. Une promenade qui permet d'aller rejoindre la route forestière qui va à Roque-la-Tour. Comme vous voyez, il y a encore un peu de brouillard sur la hauteur. Là. Je vais monter en face, là, tout en haut. Et sinon, beau ciel bleu. Beau soleil, hein. Franchement, ça, c'est un temps que j'aime bien. Et voilà, c'est à partir de ce ruisseau là qu'on bifurque sur la gauche pour aller rejoindre la route forestière. Il y a un bon débit, alors ça, c'est un ruisseau qui va rejoindre l'Asmois. Et qui passe sous la route et derrière les maisons. Voilà, on prend cette route là, de cette centrale d'achat de produits rares. Et puis on monte tout doucement à travers bois, par palier, par étape. Hein. Les fameux grattes-culs. Donc ce sont des fruits qui se mangent, mais il faut les ouvrir, enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, les petits pépins, les poils et tout ça. Et la peau est très bonne. Hein. C'est plein de vitamines tout ça. Le beau petit ruisseau qui descend des hauteurs, qui passe à travers bois et qui va dans le village, là où on a vu un peu plus bas, pour aller rejoindre l'Asmois. Ces derniers jours, comme il a pas mal plu, c'est vrai qu'on a un gros débit hein, sur les ruisseaux comme ça, là, qui se transforme en rapide. Dès qu'il y a du soleil, hein, même s'il fait froid comme aujourd'hui, hein, moins 1 degré là, hein, et ben les petits oiseaux chantent, hein, ils sont contents. J'ai vu des merles, j'ai vu un couple de merles là, un merle et une merlette un peu plus haut là. Vous voyez qu'au fond il y a encore un peu de brouillard. Et ce qui est joli, c'est ce ciel bleu, avec ses pins parasols. On pourrait se croire dans le midi de la France. Voilà, nous sommes dans la forêt domaniale de Château-Rognaud. Donc Château-Rognaud, c'est un quartier de Bogny-sur-Meuse. Et sur la zone touristique de la Lyre. Mais ici, c'est sympa, un peu partout, il y a des bancs, il y a des tables. Hein, pour ceux qui veulent faire des pique-niques. Alors c'est vrai qu'en ce moment, à part moi qui mange dehors, ben, il n'y a pas grand monde. Hein. On verra ça tout à l'heure, il n'est pas l'heure pour le moment. Mais comme je vous le disais, c'est quand même une promenade magnifique. Hein. Et d'une, il n'y a pas un chat, c'est une route qui est peu fréquentée parce que c'est une route qui monte. Donc à part le garde forestier qui passe en voiture, et puis les alpinistes qui vont escalader le Roque-la-Tour, on ne voit pas grand monde, et surtout pas en ce moment. Hein. La nature est vivante, hein, même si on dit toujours que à la période de Noël, il y a un repli de la Terre sur elle-même, parce que la Terre respire, hein, il y a des mouvements comme chez nous, inspire, expire. Hein. Donc c'est pour ça que là, elle est en train d'expirer, la Terre. Mais la nature est belle, toujours, 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 toujours. Absolument que l'homme soit moins bête
et qui la préserve. Alors je marche déjà depuis une bonne demi-heure, il est 11h, là je suis arrivé, enfin il était 10h20, le temps de s'équiper. Donc encore une bonne heure de marche avant le casse-croûte. Et tu me poursuis, j'ai déjà faim. Bon, c'est pas mon estomac qui va me commander quand même. Hein. Ah, quoi que. Mon ami Frédéric Pirangeli, tu crois qu'on aura assez de bois pour cet hiver? Oui. Tout le long de mon chemin, j'ai ce ruisseau qui m'accompagne à droite. Et les copains, je peux vous dire qu'il fait pas froid là, hein, à marcher, à mon rythme là, j'ai pas froid. Puis j'ai mis mon bonnet de commando hein, ce coup-ci pour avoir bien chaud. J'ai laissé tomber le bonnet de marin. Hein. Allez, on continue. Quoi de plus beau? Quoi de plus beau que cette eau? Que cette vie qui coule? Qui coule dans la forêt? Comme elle coule en nous. Vous voyez que il y a de quoi débiter ici. Hein. Là, elle n'est pas à son plein niveau. Je continue ma route, on en a encore un peu. Hein, avant d'arriver à l'endroit du casse-croûte que j'aurais choisi. Donc, il est 11h30 maintenant. Ça commence à me chatouiller. C'est marrant parce que ça fait comme des marches. Hein. C'est ce qui fait que c'est une mini cascade. Hein. Il y a des retenues d'eau hein, qui sont visiblement assez profondes. Hein. Oh, il fait beau comme tout. Hein. Beau comme tout. C'est beau, ouais. Même cette mousse là, ces pierres du pont. Vous allez penser que je ne filme que des ruisseaux, mais chaque endroit sur ce parcours magnifique a son charme. Et je vous dirais même que c'est un charme fou. Bon, j'arrive bientôt sur le plateau. Le soleil est plus fort, plus visible là-bas au bout. Hein.